Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus Retro. Et depuis la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai up la team niveau 60. On avait fait une bonne petite session au Digiblop où je vous avais montré un peu l'XP, tout ça, tout ça. J'ai continué tout simplement, j'ai fait un certain nombre de donjons. Et puis, bah, ce cra, oui, il est bien à moi. Je suis aussi en panneau Gelax. Et en plus, je l'ai en entière avec le Gelano. Donc, ça, c'est cool. J'ai passé pas mal d'heures. Après vous avoir quitté au Digiblop, j'ai fait un peu de gelé. J'en ai farmé pas mal d'heures. Après, je me suis dit, vas-y, go up un peu. Donc, voilà, j'ai fait un peu des deux. Donc, on se retrouve là, niveau 60 au gelé, et puis mon objectif avec vous, ça va être de dropper un maximum d'items. Là, l'objectif c'est de stuff les 8 persos en panneau gelé. Donc, on le voit ici, il y a déjà le Kramain qui est prêt avec 900 000 kamas au passage. Voilà, les kamas ça monte comme d'habitude. Je vous ai dit, les kamas je m'en occupe pas spécialement, mais avec les kamas cash, je vends à peine de ressources, je vends quasiment rien. Je stocke beaucoup de ressources blocs notamment, donc ça c'est bien. Donc voilà, aujourd'hui, l'idée pour nous, ça va être de faire un peu de farm gelé. On va capturer, j'ai entre temps, après avoir fait le Digiblop et la dernière vidéo, du coup. Je suis allé chercher le sort capture d'âme parce que je me suis dit ouais quand même il le faudrait. Donc j'ai fait ça, je peux vous montrer, j'ai rec un petit peu ça pour avoir les images. Mais en gros j'ai capturé les salles du Digiblop parce que c'est trop rentable. Pour également essayer de redrop les clés par derrière. Donc c'est un petit investissement, il faut payer de la pierre à 7000. Mais bon ça vaut le coup, on récupère l'XP, on a pas mal de chances de redrop les clés pour pouvoir refaire donjon. Donc bah écoutez, ça s'est très bien passé. On est niveau 60. Là j'ai deux captures BR encore que bon je me ferai tranquillement. Bah, vous avez compris l'idée. J'ai drop aussi finalement quelques fleurs de BR que je stocke, que j'utiliserai pour crafter plus tard les items Blood Grid Royal. Voilà. Donc bah écoutez les amis, la personne qui s'occupe de capturer c'est Lenny. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on lui met les petites pierres vu que les gelées ça monte pas niveau 50, donc c'est bon. Donc je vais essayer de capturer des groupes minimum de 3. Voilà, les deux je capturerai pas, c'est pas assez quand même. Et puis on retapera ça. À la fin, j'ai une dizaine de pierres, donc on va essayer de faire la dizaine. On va voir déjà dans un premier temps ici si on aura la chance de drop quelques items. Donc on va voir ça. Donc bah écoutez, je vais espérer qu'il y ait pas mal de groupes. Ah, je vais vous montrer quand même dans un premier temps la stratégie. Ça se passe tellement bien, vous allez voir, c'est tellement fort. Ok, regardez, j'ai eu un petit groupe de deux gelés, donc ça peut permettre de drop hein, même de gelés. Mais j'ai drop le Gelano. Alors non, c'est pas le Gelano, mais le Gelano, je crois qu'il y en avait. Je sais plus combien il y avait de gelés. Mais j'ai drop des bots, les bots GPR justement, je crois. Ah, non, peut-être pas les GPR, ouais, je sais plus. Mais je drop des bots sur une seule gelée. Genre avec 4 mobs seulement. Donc il peut se passer des choses. On va espérer être assez chanceux. Donc là qu'est-ce que je fais? Regardez, ça se passe super bien. Donc on a un tial intouchable, donc on va pas pouvoir malheureusement stimu. Mais en gros voilà, l'idée c'est que j'aligne bien tout le monde comme ça. Un peu comme on a fait au Digiblop hein, la stratégie des ennemis cupi tout ça, qui vont derrière taper feu. Donc là je booste tout le monde. Je peux même regarder un petit truc bien, c'est donner les crits aux ennemis pour pouvoir crit sur les pelles fantomatiques que j'ai montées sur les ennemis, pour pouvoir debuff les gelés qui en fait se mettent des réductions. Malgré les réductions, je tape quand même très fort grâce aux cupi, les boost etc, mais voilà c'est toujours sympa, ça tape bien en plus, vous allez voir un petit peu tout ça. Donc là c'est le premier tour, on cherche pas à comprendre, on met cupi. Bon là du coup j'ai pas cherché à bien me placer pour les PA du stimu parce que intouchable serait raté avec le stimu. Donc je mets ça comme ça tranquillement, on peut là mettre une petite lancée de pièce sur ça pour le drop. Donc là voilà, malheureusement on n'aura pas le boost, mais regardez un petit peu l'idée. Donc d'ailleurs je passe en 4 PM, ça c'est bien, c'est le petit avantage. Niveau stat du coup on a la même sagesse vu que la bouffe a apporté 20 de sagesse. Il y a la même intel à peu près aussi, c'est juste qu'on gagne 1 PM. En gros, c'est surtout ça et de la PP. Parce que forcément, la PP, c'est très intéressant. Donc, regardez, là, j'ai mis du 98. C'est pas oufissime. Donc là, voilà, on continue. Malheureusement, je peux pas mettre la double. Mais voilà, en gros, on met du 100. On peut même monter à plus. Là, c'est une gelée 29, donc elle réduit encore plus que les autres. Genre, sur celle-là, je mettrais. Tu peux limite monter à 150, quoi. Donc, c'est très clean. Et là, regardez avec la PO, les ennemis, regardez, ils vont se faire le plaisir de mettre l'appel fanto. Ça n'a pas créé dommage. Ça pas crit, pas de debuff. Mais bon, ça se passe vraiment très très bien. On va très très vite pour farmer les mobs. Pas de crit. Oh, on va essayer de crit quand même. Non, ça ne veut pas. C'est une chance sur 10 niveau 5. Donc avec le tir crit, normalement c'est une chance sur 2 si je dis pas de bêtises. Donc là, il n'y a pas de PO. Hop. Ah, rip ça. Alors j'ai... Non, je peux pas. Donc là, voilà, l'idée c'est aussi de les tuer avant qu'ils rejouent. Sinon... Il se recon et c'est chiant. Hop. Est-ce qu'on va dropper sur le premier combat, les gars? L'essence, ça c'est fait. Allez, regardez la première fin de combat. Donc, je pense qu'on va faire ça un petit peu. On va surtout monter les fins de combat et voir ensemble les drops. Donc, attention. Touk, touk, touk. Rien du tout. C'est pas grave. C'était le premier, l'échauffement. Au moins, vous avez vu un petit peu la soirée. Donc, maintenant, j'enchaîne et je vais essayer de voilà arriver à la dizaine de captures pour vous proposer à la fin en arène. On aura l'avantage du double tial. Donc, c'est plutôt cool. Et puis, la map qui est super plaisante, etc. Mais là, cette map, les gars, je l'adore. Elle est trop bien. Vous l'avez vu. Ça se passe super bien. J'ai mis une fraise seulement. Dommage, j'ai pas le temps. Mais bon, même ce genre de combat, faut pas hésiter à les faire. Faut essayer de reset. Ah, regardez le debuff justement. Ça tape 86 du coup.
On se fait le plaisir de le debuff. Il n'en réduira pas parce qu'en plus, niveau 30, ça réduit pas mal du tout. Allez, on va regarder quand même ce deuxième combat où il n'y avait qu'une seule petite gelée fraise. Sur un malentendu, on ne drop rien, mais la petite rouge lisse, toujours ça au passage. Allez, les gars, sur un malentendu, une seule fraise là-dessus. Troisième combat. Est-ce qu'on a quelque chose? Tadam. Ah merde, la verte qui est cachée par le tchal. Toi tu as la PO monsieur. Ok, on a rien vu donc c'est parti. Est-ce qu'on drop? Oh. Vous voyez, je vous l'avais dit, avec une seule fraise on drop. Ça part bien, ça part bien. Nickel les gars, nickel. Ok, ok, on va regarder le jeu ensemble quand même. Là l'idée pour nous c'est d'avoir deux PO, les deux invos on s'en fout. Ah ok, ni l'un ni l'autre mais ok. Ok, ok, c'est cool, ça fait un item de plus. Il nous en faut 8 de chaque, donc forcément, à part l'anneau où j'ai dit 2, ça ira. Donc, ok, nice. Allez, deux petites fraises toutes seules avec un tchal intouchable qui rajoute seulement 65%. Mais ça reste deux petites fraises, un petit pare-chaud blanc. Ok, rien du tout. Ah, il y a un groupe, il y a un groupe, il y a un groupe. Non, c'est nul. Allez, c'est deux fraises ici. Deux fraises avec, je crois, un groupe de 8 en tout. Donc, allez. Une maîtrise, pourquoi pas. Et rien d'autre. Allez, un groupe de 3. On n'a pas encore eu de groupe de 3, les gars. Il faudrait, il faudrait. Ah, les gars, regardez, on a enfin un gros groupe de 5 fraises. Magnifique. Bon, ça fait, je sais pas combien de temps là que j'enchaîne les petits groupes que je vois avec même pas du coup. De 1, une seule, hein. Même pas 2. 2, bon, ça reste déjà intéressant. Mais voilà, même pas 2, quoi. Donc là, on a enfin quelque chose de très cool. On se fait ça très très vite, vous allez voir. Et on espère, bien sûr, un bon tchal. Regardez, on regarde ensemble. Oh, les gars. Oh, les gars. Oh, les gars, oh, les gars. Allez, c'est parti, on s'applique et on va aller chercher le challenge sur ces 5 gelées fraises, ça peut être assez ouf. Ok les gars, c'est parti pour le kill, ça s'est passé sans problème. Voilà, on n'a plus qu'une petite gelée menthe que je ne reach pas MDR. Nickel ça, on va essayer de pas fail quand même maintenant. Ça serait bête que genre je tape et qu'après je puisse pas. Non attendez, on va refaire passer un tour, j'ai la capture de lancer évidemment pour les 5 fraises qu'on fera à la fin en arène. Comme j'ai dit, je voudrais en avoir une dizaine avant d'y aller, donc voilà, il faudrait qu'on ait un peu de chance comme ça avec les groupes de mobs. Donc c'est parti, blitz plus 145% sur 5 fraises les gars. Allez, 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 allez. J'ai l'auture, j'ai l'obot. Oh là là, c'est beau. Première fois que j'ai double item. Peut-être autre chose. La pierre d'âme pleine, bien évidemment. Donc, bah cool, 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 cool. Pas trop mal tout ça. Deux items d'un coup, ça fait du bien. On va regarder un petit peu léger. Donc là, j'ai l'auture, ça monte, je le rappelle, jusqu'à 50. Oh, 16, regardez, c'est le G minimum. D'ailleurs, ça, petite astuce, les gars, je sais pas si vous connaissez, moi j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Pour regarder le G théorique, c'est assez pratique, vous cliquez sur effet. 11 sur 50, j'ai eu 16, quoi, la poisse. Bon, est-ce que les bots, c'est mieux? C'est pas monté à 15, les bots, au niveau de la PP. C'est sur qui? C'est sur toi, attention. 4, oh, pas eu de chance sur les G. Bon, c'est pas très grave. Allez, c'est cool en tout cas, premier très bon combat. Allez, un petit tchal borné sur deux fraises ici. Est-ce qu'on va voir? Non, non. Quand même pas, les gars. Quand même pas aussi rapidement sur deux fraises. Mais non, 85% et le gélano qui tombe. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? C'est le mec qui en veut toujours plus. J'y crois pas. Les gars, pour de bon? Pour de bon, les gars. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Deuxième gélano. Nickel, les gars. Bah tiens, ça c'est vraiment... Bah c'est trop bien, en fait. C'est trop trop bien. Je vais pouvoir stuffer le deuxième cra. Alors, je sais pas ce qui me manque. Il me manque une... je crois, pour avoir une deuxième full panneau. Mais non les gars. Alors sur ces deux gelées, un challenge blitz. Donc attention, non pas après un gelano, me faites pas ça quand même, parce que là ça serait trop facile quand même. Qu'est-ce qu'on a là dessus? Une rouge jolie. Et rien d'autre, bon ça va, ouf. Non non, là ça aurait été abusé. Faut savoir que genre sur toutes les heures de farm que j'ai faites, j'ai passé beaucoup de temps et j'ai eu vraiment pas de chance. Et là avec vous déjà le gelano, c'est incroyable. Il y a eu le double item qui est tombé, donc ouais, nickel nickel. Merde les gars, je viens de me rendre compte d'un truc. On est sur un tchal 2 pour le prix d'un et j'ai oublié de lancer la capture, on est sur 3 fraises. Du coup est-ce que je fail le tchal ou est-ce que je capture? Ta ta ta. Je capture pas, tant pis. Allez. On essaie de veiller. Est-ce qu'on aura fait ça pour rien? On a fait ça pour rien. Dommage. Bon, j'ai oublié de lancer la capture. Un combat à 3 gelées ici avec du coup la capture qui est lancée et un petit challenge incurable. 32%, ça sera pas ouf. On va voir peut-être sur un malentendu, les gars. Ouais, le drop très très faible. Il y a la capture qui passe forcément. Ok, bon, c'était pas terrible.
Mais au moins on l'aura pour refaire en arrière. Alors les gars, regardez les kamas que je drop là. Il faut savoir que sur un 29, il y a un système de nerf en gros, de ton drop quand tu formes trop sur une seule map. J'en connais pas spécialement, enfin j'en sais pas plus dessus sur ce système. Mais là en gros, quand on voit nos kamas aussi bas, ça veut dire qu'on prend ce malus drop. On va juste bouger de map, c'est à dire que j'ai un peu trop fait de combat. Malheureusement, ouais, j'ai pas eu trop de chance sur les ripas parce que j'ai eu beaucoup de petits groupes. Mais bon, on va aller sur la deuxième map que j'aime bien faire, même si elle est beaucoup moins bien que celle-là. Oh! Oh, allez, let's go. Cette map elle est très très nulle. Mais ça reste quand même 3 fraises, donc on va les faire. Bon, on a eu un challenge. Chacun son monde s'est raté parce qu'il y a un mob qui s'est tué avec le renvoi de la panneau press pick. Donc rip rip. De toute façon, c'était très chiant et ça m'arrange que, que ça se soit raté. Vous voyez, là les kamas sont bien mieux. Nouvelle capture. Voilà, c'est toujours ça de prix. On en a encore un là. Let's go. Non, mais je suis obligé. C'est trop nul comme map, etc. Mais vas-y, go. Enfin, par contre, faut régénérer parce que là, c'était un peu le dawa comme on dit. Ouf, c'est bon, ça fait le pas. Du coup, un challenge contamination sur 3 fraises, 145%. Pourquoi pas un nouveau drop, ça fait un petit peu longtemps. De belles lignes, pas d'item. Non, pas d'item, dommage. Dommage, dommage. Allez, je vais enfin sur ma vraie map, c'est bon, il n'y a plus de 3 fraises. Ok, et on est parti pour achever. La capture est lancée. Une amulette qui tombe. Je rappelle qu'on est toujours à la recherche principalement, on va dire, de la cape. Même si une amu, il nous en faut. Et c'est très bien, GG. On va voir le jeu ensemble. Est-ce que la capture est pas... Non, la capture est pas passée. Ok, bah vous voyez, ça peut arriver, malheureusement. Et on a un groupe, donc on va le lancer direct. On regardera le jeu un peu après, c'est pas très important. Yo, bonne chance, mec. Oh, c'est gentil, merci, symétrique. Allez, c'est parti pour ce petit groupe de 2 fraises avec un petit 25% seulement abnégation, là. Oui, mais oui, les gars, les gelobots, 2 items d'affilée, c'est cool, ça. Et bah du coup, ouais, fallait qu'on vous regarde le jet de l'amu et de ses bots, maintenant. Alors, l'amu est ici, pour l'amulette. Ah, toujours pas de PO, il me faut les 2 PO, c'est super utile, donc dommage. Et concernant les bots, ah, bah, c'est le même qui drop, on a le dropper de bots, on avait eu plus 4, et là, on a... Plus 3, oh, on n'a pas de chance sur les G quand même. Allez hop hop hop, pas de chal, malheureusement, barbare, on peut absolument rien faire. Donc 2 gelées fraises quand même. Est-ce qu'on a un petit item? Les gars, non mais arrêtez, arrêtez, c'est pas vrai, c'est une blague les gars, mais... Oh, quoi? Quoi? Je suis un escroc. Je suis un escroc, c'est comme l'exo les gars, je suis l'escroc du drop gelé maintenant, mais c'est pas possible. Je vous jure, j'avais tellement pas eu de chance tout seul de mon côté, et là avec vous je drop des GNO sur 2 fraises sans tchal. Non mais gros, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là les gars, comme c'est bon les gars. Oh là 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 là, mais pour de bon les gars. Allez hop, on capture un groupe de 3 fraises, malheureusement pas de tchal, on va voir en tout cas. Si on peut quand même avoir quelque chose. La capture, est-ce qu'elle passe? La capture, elle passe, mais rien d'autre en tout cas. Bon les gars, je pense qu'on va s'arrêter. Ça fait une bonne heure que je... Enfin, ça fait une bonne heure, ça fait même 2 heures, je pense, que je suis là en train de farmer. Donc, malheureusement, j'ai pas eu les 10 captures que j'aurais souhaité. Maintenant, je pense qu'il y a déjà pas mal de temps de vidéo et tout. J'en ai que 4 en vrai. Mais bon, je vais faire une pause, les gars. De toute façon, je dois y aller là. Je vais regarder tout ça au montage, etc. pour faire un truc propre. Et puis, on se retrouve juste après pour la suite avec les captures et éventuellement autre chose, je vais voir. Et les gars, on se retrouve à l'arène, on va pouvoir terminer cette vidéo sur les 4 captures du coup. Bon, j'aurais voulu, comme je vous ai dit, en avoir une dizaine, mais j'ai passé effectivement les 2 heures à dropper. On a eu pas mal de chance de Gélano. Après, il n'y a pas eu tant d'items que ça, mais c'est pas fini avec les double tchals sur ces beaux groupes qu'on a. On a surtout, voilà, il y a celle-là à 5 fraises, si je dis pas de bêtises. Voilà celle sur laquelle, le groupe sur lequel on a eu le Tchalbits. Et on a fait le double item, double drop. Donc on va voir, on va faire d'abord les petits 3. Non, je crois que c'est que des 3 et une 5 du coup. Bon, c'est pas ouf, mais on va voir ce qu'on peut avoir là-dessus. Donc c'est parti, tranquillou, je fais ça, je vous montre les drops. Puis voilà, on va regarder ensemble vite fait les Tchal du coup, j'allais dire le Tchal. Mais non, c'est les Tchal, c'est trop bien. Donc là, regardez, hop, comment je fais. À chaque fois, je place comme ça, de sorte à ce que tout le monde puisse choper le tir éloigné en fait. Et... Lenny, je le mets là, comme ça, il pourra booster, vous allez voir, tous les persos en PA, économe, les gars. Oh, punaise, et un curable derrière. Oh, les gars, ça se joue. Honnêtement, ça se tente, on a une gelée fraise à 300, donc celle-là, c'est compliqué, parce qu'elle, du coup, a beaucoup de réduction de dommages, mais... Allez, on y croit les gars, je donne tout pour y arriver. Alors je pense que je devrais tuer normalement avec ce cra là. On est d'accord que j'ai pas été de magique ou quoi juste avant. Donc 83, oui, ça va passer avec l'enflammé. Donc attention, dommage, incurable, c'était un petit mystique là. Bon, on est quand même à 292% sur 3 gelées fraises. Attention les gars. Oh, la déception sur les premières lignes. Peut-être quand même sur la fin. Non, oh, dommage, j'avais tellement la fesse. On a une XP franchement propre sur des gelées comme ça quand même. Ok, ok, bon, dommage, dommage. C'était sympa, il y avait du suspense. Anna et Pétulant pour le deuxième groupe avec toujours 3 fraises. Donc bon, on va faire ça sans problème. Attention à ne pas faire le pétulant. Je vais essayer de pas le fail. Allez, on est parti pour achever, malheureusement sans le pétulant. Rip, rip, rip.
Le fail était expected et forcément ça ne tue pas. Donc on refait passe-tour, ça se fait très vite, pas de problème. Tac, 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 tac. Et on achève, on finit pas à côté. Allez, troisième capture, est-ce qu'on a enfin un drop? Et non, et non, et non les gars. Et c'était pas la troisième, c'était la deuxième en fait. Hein. Je me calme tout de suite. Donc là, il nous reste encore une, deux, trois. Et puis après, on s'attaque à la grosse. Et c'est là où les gars, ça va être ouf. Vous allez voir, ça va être ouf. Collant intouchable. Ça c'est pas mal, c'est pas très dur. Et du coup, bah, on est parti pour ça. Pas de boost PA malheureusement du coup. Les gars, j'ai troll collant. Sérieux, c'est pas normal ça. Je mérite pas de drop. Voilà. Non mais ça, par contre, je troll les gars. Sérieusement là. Allez, dernière capture, les 5. Allez, on finit bien. Non, sérieux. On finit bien. On a un très beau groupe là de 8. Oh, elle est là, la fraise. Ça, c'est un peu chiant. Mais bon, c'est risque de la map, pas très grave. 2 pour le prix d'un, Anna. C'est nul. C'est nul comme tchal, les gars, encore. Parce que 2 pour le prix d'un, c'est pas très dur. Mais du coup, vu que j'ai celle-là au milieu là. Ouais. Et en plus, pour Anna, du coup, il va falloir que j'aille coller l'autre. On va faire ça. On va essayer de vite débuff la gelée. Et on va attraper une autre en même temps que je tue celle-là, du coup. Allez, obligé de le faire. 180% en jeu. Ok les gars, on part sur le kill de... Normalement, alors attendez, oui c'est bon, je le tue lance cette pièce, je préfère assurer. J'ai assuré tout le long les gars pour enfin réussir un combat. Oh non, j'ai rien? Non. Oh, oh la déception des captures en arène. Bon, bah écoutez, dommage. J'aurais franchement pensé au moins drop un petit item sur le lot, mais un peu moins de chance que... Sur le terrain, on va dire. Donc, bah écoutez, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. On a quand même une sortie de Gelano, c'est assez ouf, hein. Donc, d'ailleurs, attendez, je vais aller vous montrer un petit peu le prix des Gelano, je vais voir s'il a évolué. Alors, pour le Gelano, on est sur du 395 000. Ok, donc ça commence déjà à descendre vu que c'était vers les un peu plus de 400. Donc, ouais, mais c'est assez logique. Et puis, je sais pas si des gens se mettent à acheter. Bon. Voilà, en tout cas, on s'est régalé. Moi, je vais continuer d'aller dropper les stuff des Zenus, du coup. Continuer à les XP à droite, à gauche. Me donner des objectifs, etc. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci pour tous les soutiens, pour les likes, etc. N'hésitez pas à continuer. Merci aux nouveaux abonnés. Et on se retrouve très vite. Ciao tout le monde!